Les idées marquantes pour moi de cette conférence, parce que c'est très intéressant, il y avait trois personnes avec des expériences qui sont différentes, aussi bien au niveau d'un DI, au niveau d'une expérience entre l'Allemagne et la France, mais aussi une expérience en Roumanie. Donc, toutes ces expériences, l'intérêt, c'est comment on amène l'étudiant à pouvoir s'intéresser au cours, comment est-ce qu'on l'amène à pouvoir s'ouvrir un peu plus à ce qui lui est présenté. Et surtout, c'est cette place de l'enseignant. Est-ce que l'enseignant perd sa place? Et la question du rapport au savoir, la question de la relation pédagogique, est-ce que l'enseignant existe encore avec l'entrée du numérique dans la salle des cours, dans la salle des classes? C'est vraiment cet intérêt de voir combien la culture numérique et fait peur, mais aussi est moteur pour pouvoir avancer au niveau des enseignements et avec quelles conséquences, avec même quelles sorties, qu'est-ce que ça apporte encore de plus. Le fait que le numérique devienne une culture, c'est comme dans une culture, il y a des surprises. C'est pas ce que tout simplement ce qu'on attend qui arrive, mais il y a encore d'autres choses qui viennent. On n'est plus dans une technique tout simplement à apprendre, donc de devenir expert d'une technique, mais on est dans un milieu et ces milieux-là nous amènent à découvrir certaines choses et à prendre les paroles. On dialogue dans ces milieux-là aujourd'hui.